que tu es digne, digne d'être adoré. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites l'adoration. Parce que toutes choses t'appartiennent. Tu es au commencement, tu es à la fin. Rien ne t'étonne. Tu es au-dessus de tout. Tu as étendu les cieux. Tu as posé les fondations de la terre. Tu es tellement grand que ta grandeur nous échappe. À qui pourrions-nous te comparer pour que tu lui ressembles? Tu es redoutable, Seigneur. La Bible dit que tu peux mesurer les eaux de la terre dans le creux de ta main et que tu pèses les montagnes à ton crochet, les collines sur ta balance. D'un seul coup de regard, tu peux apprécier toute la terre. C'est toi qui as le dernier mot sur notre vie. Lorsque tu décides à parler, alors toute bouche se taise. Parce que si tu dis oui, de qui as-tu besoin la permission avant de bénir? Nous sommes fiers, Seigneur. Nous sommes fiers de toi. Et nous t'aimons. Apprends-nous à t'aimer. Parce que tu mérites tout notre amour. Merci pour ta présence. Merci. Parce que tu ne laisseras pas ton peuple partir d'ici tel qu'il est arrivé. Tu connais le besoin de chacun. Et à travers ta parole, tu guériras. Tu orienteras, tu consoleras, tu élèveras. Merci Père, parce que ta parole nous rendra ministère. Je me livre entre tes mains. Seigneur, parle toi-même de toi-même. Que tout en moi te soit soumis, afin que tu sois vu et que le peuple soit béni. Merci Père. Parce que tu règnes en ce lieu, l'ennemi ne règne plus. L'opposition est brisée, l'adversité est bannie. Et tous les cœurs sont concentrés pour recevoir la semence. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Que Dieu te bénisse. Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous étions en train de parler d'Ébénézer. Durant toute la semaine, nous avons parlé d'Ébénézer. C'est quoi Ébénézer? Pourquoi Ébénézer? Gloire à Jésus. Nous l'avons lu dans 1 Samuel 7, verset 12. Après une grande délivrance que le Seigneur a opérée pour son peuple d'Israël. 1 Samuel 7, verset 12 disait, « Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem, et il appela du nom d'Ébénézer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Gloire à Jésus. Ébénézer marque une étape décisive dans la vie d'Israël à Canaan. Ébénézer, c'était un lieu. C'est un rappel que je suis en train de faire. Un lieu qui est à côté d'un autre lieu qu'on appelle Mispa, sur le territoire de Benjamin. Et à cet endroit, Dieu a choisi cet endroit pour manifester sa puissance à son peuple, à deux occasions différentes. Gloire à Jésus. À la première occasion, c'est pour leur infliger une humiliante défaite par le biais des Philistins. Gloire à Jésus. Une défaite en ce même lieu. Et c'est après cela que le Seigneur est intervenu pour délivrer ce peuple. C'est-à-dire là où ils ont connu l'échec, à ce même endroit, Dieu leur a donné le succès. Gloire à Jésus. Et je veux dire à quelqu'un que là où tu as échoué, Ébénézer, c'est encore possible de réussir là. Alléluia. Mais entre la défaite et le succès, il s'est écoulé 20 années. Gloire à Jésus. 20 ans. Mais pourquoi? Nous avons eu l'occasion de décortiquer ça dans ce même. Et nous nous sommes posé des questions. Et dans nos différents développements, nous avons trouvé des réponses à ces questions. La première question, c'était, pourquoi Ébénézer, le peuple de Dieu, a-t-il essuyé une très grande défaite? Pas une défaite, mais deux grandes défaites. Alléluia. La deuxième question, pourquoi Dieu est-il resté alors silencieux pendant tout ce temps? Après les défaites, là, 20 ans de silence, mais pourquoi? Gloire à Jésus. Question 3, qu'est-ce qui a pu bien se passer pendant tout ce temps de silence? Et quatrième question, pourquoi le Seigneur a-t-il finalement rompu le silence et a délivré son peuple? Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous avons vu un peuple moralement complètement à terre. Le peuple qui n'est que le reflet de ses conducteurs. Parce que c'était d'abord au temps d'Élie, le souverain sacrificateur, qui était tellement nonchalant, qui n'avait pas pris soin vraiment d'éduquer ses enfants, qui devrait hériter du sacerdoce, mais qui vivait dans le désordre total, qui n'avait aucun égard pour les sacrifices de Dieu, et qui couchait même avec les femmes dans le sanctuaire. Et alors, bien-aimé, Élie a appris tout cela, mais il n'a pas pris les dispositions qu'il faut. Il n'a pas sanctionné, il n'a pas réprimé. Alléluia. Et Dieu, bien-aimé, s'est fâché, et Dieu a déclaré des sentences sur Élie. À un moment donné,
Alors les fils de Eli, Ophni et Phiné, ne coudaient plus des instructions. Ils n'acceptaient plus des reproches. Ils persévéraient dans le mal. Et la Bible dit, pourquoi étaient-ils fermés aux instructions? Parce que Dieu veut les détruire. Alléluia. Et nous avons dit que si le Seigneur t'interpelle, si le Seigneur te corrige sur une voie et que tu t'entêtes à te tenir sur cette voie, bien-aimé, le Seigneur lui-même te livre à l'égarement. Gloire à Jésus. Il te livre à l'égarement. Ça dit que tu deviens insensible à ce qui est bien. Tu vois le mal et tu l'embrasses jusqu'à ce que le mal te détruit. Alléluia. Et mes bien-aimés, ces fils-là ont connu vraiment la destruction. Élie a appris. Élie aussi est mort. Ils ont pris l'arche. Nous avons parlé de tous ces détails en semaine. Gloire à Jésus. L'arche de sa force a été prise. Et c'était la confusion. Au premier moment, ils étaient allés en guerre sans l'arche. Et ils ont essuyé une défaite. Ils ont dit, mais pourquoi allons-nous essuyer des défaites? Ce n'est pas possible. Ne sommes-nous pas le peuple de Dieu? Le Dieu grand, fort et redoutable. Et pourtant, nous avons échoué devant l'ennemi. Devant les Philistins, ils se sont posé la question, mais ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas attendu la réponse. Ils se sont dit, allons chercher l'arche. Si l'arche vient maintenant au milieu de nous, alors nous allons triompher des Philistins. C'est ce qui nous arrive. Des fois, des défaites répétées. Et nous ne cherchons pas à savoir. Nous ne prenons pas une pause pour demander à Dieu, mais pourquoi cela? Des fois même, il nous arrive de poser la question, mais nous n'attendons pas la réponse. En même temps, nous trouvons une autre alternative et nous nous engageons encore dans la course pour tomber à nouveau. C'est ce que le peuple a fait. Ils se sont bien posé la question, mais pourquoi devons-nous échouer devant l'ennemi? Mais ils n'ont pas attendu la réponse. Ils ont dit non, certainement, l'arche n'était pas au milieu de nous. C'est pourquoi nous avons essuyé cette défaite. Allons chercher l'arche. Quand l'arche va venir au milieu de nous, alors la victoire sera grande. L'arche est venue, mais la défaite a été encore 10 fois plus grande que la première. Parce que Dieu n'est pas un talisman. Gloire à Jésus. Dieu n'est pas un talisman. On ne le manipule pas. On ne l'oblige pas à agir forcément en notre faveur. Dieu a des principes. Il faut respecter les principes. Mais des fois, nous fermons les yeux sur les principes de Dieu et nous voulons l'obliger à agir en notre faveur. Dieu est incorruptible. On ne le corrompt pas. C'est ce que le peuple a voulu faire. Et il y a des gens qui ne se souviennent que de Dieu dans les situations difficiles. Dieu veut que vous pensiez à lui en tout temps, les bonnes occasions comme les mauvaises occasions. Alléluia! Ils veulent manipuler Dieu. Non, ils ne se laissent pas manipuler. Dieu demande quelque chose. Fais ce qu'il te demande de faire. L'arche est venue, mais ils sont tombés encore. Et l'ennemi a encore pris l'arche. C'était la confusion. Comme beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter, veulent faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Mais il faut chercher, il faut porter une croix. Il faut poser une croix ici, partout dans la maison. Peu importe la vie que je mène, pourvu qu'il y ait une croix ici, par là, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ou bien que je dorme ma Bible sous l'oreiller, comme si la Bible est un talisman. Bien-aimé, si tu ne vis pas dans les principes de Dieu, tu peux avoir, bien-aimé, 10 000 croix dans ta maison. L'ennemi va frapper bien, bel et bien. Il ne s'agit pas de la croix ici, il ne s'agit pas de la Bible sous son oreiller. Ce n'est pas ça, bien-aimé. L'arche était là, mais ils ont été battus. Et l'ennemi a pris l'arche. C'était scandaleux pour Israël. Mais comment l'ennemi peut prendre l'arche? L'arche de sa majesté. Cette arche-là que les sacrificateurs tenaient. Et lorsqu'ils ont mis les pieds dans le Jourdain alors s'est séparé en deux. Cette arche-là, ce n'est pas possible. C'est dans la main de l'ennemi maintenant. Dieu a-t-il perdu sa force? A-t-il perdu sa puissance? Dieu n'est-il plus ce Dieu-là qui a délivré Israël de la main de Pharaon? Mais pourquoi cela? Ce n'est pas possible. C'était la confusion totale. Quand les Philistins ont pris l'arche, ils ont clamé leur victoire. Et ils ont amené ça à Asdod. Ils ont posé ça dans la maison de leur Dieu. Parce qu'ils veulent dire, Dagon, notre Dieu, nous a donné la victoire contre l'éternel Dieu des armées. Gloire à Jésus. Ils ont posé l'arche qui représente l'éternel à côté de leur Dieu. La Bible dit le lendemain, ils sont venus retrouver Dagon prosterné. Alléluia. Ils ont redressé Dagon. Et le lendemain, maintenant il n'est pas seulement prosterné, mais il est complètement brisé. La tête d'un côté, les bras de l'autre. Qui ose contester contre l'éternel? C'est pour vous dire que l'arche même sur la terre de l'ennemi, c'est de continuer de semer. Parce que pendant que Israël disait que certainement Dieu n'est plus puissant, c'est pour ça que quoi? L'ennemi a pris l'arche, a pris sa représentation. Non, Dieu se défendait là-bas. Dieu n'a besoin de personne pour le défendre. Vous qui voulez aider Dieu en amenant au genou pour qu'il vous mette ça sur la tête, Dieu n'a pas besoin de votre aide. Dieu n'a pas besoin de votre aide. Laissez Dieu faire. N'aidez pas Dieu. Ne précipitez pas les choses. L'arche a passé 7 mois sur la terre des Philistins. Mais l'arche s'est défendue elle-même. Dieu s'est défendu elle-même. Les Philistins, très vite, bien-aimés, ils ont compris que non, c'était autre chose.
Parce que Dieu a commencé par faire quoi? Par frapper le peuple des Philistins. Hémorroïdes, la mort. Les Philistins, ils avaient 5 princes. Gloire à Jésus. Donc l'arche, c'est-à-dire Asdod. Quand les gens ont commencé par souffrir d'hémorroïdes, la mort et tout, ils ont dit non, nous n'allons pas garder l'arche ici. Il faut que nous envoyions dans une autre ville. Ils ont envoyé ça à Gath. Arrivé à Gath, l'arche a commencé toujours par frapper. Alors les habitants de Gath disent non, nous n'allons pas garder. Ils ont envoyé ça à Écron. L'arche se défendait sans le concours d'aucun homme. Alors ils se sont rassemblés et ils ont dit, tous les princes des Philistins, ils sont 5. Ils ont dit, il faut que nous fassions tout pour renvoyer l'arche sur la terre d'Israël. Parce que si nous ne renvoyons pas l'arche, nous allons tous périr. Ils ont appelé leurs magiciens pour dire, alors dites-nous comment ça va se faire. Les magiciens leur ont dit, faites-vous un char neuf, des vaches, deux vaches qui allaitent et qui n'ont jamais porté de doug. Et vous allez atteler ces chars-là à ces vaches. Et vous allez poser maintenant l'arche sur ce char. Mais prenez garde, ne renvoyez pas l'arche à vide. Faites des sacrifices, rendez-lui honneur. Tout ça là, ils ont fait. Gloire à Jésus. Ils ont fait, en faisant des sacrifices. Parce que maintenant, c'est le persécuteur qui adresse maintenant des supplications aux persécutés. Ça a été toujours ça dans l'histoire des enfants de Dieu. C'était comme ça. Pendant 4 siècles, Pharaon faisait appesantir sa main sur les enfants d'Israël. Mais quand l'Éternel s'est levé, celui qui voulait retenir, c'est lui qui dit, mais partez, partez. Prenez tout ce que vous voulez. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, l'ennemi n'a pas le dernier mot sur votre vie. Celui qui croit vous dominer et qui vous persécute, le moment vient et il est déjà là. Bien-aimé, il vous adressera des supplications. Tout ce qu'ils vous ont pris, ils vous les rendront. Comme quelqu'un a dit, ils vous paieront avec intérêt. Alléluia. Ils ont renvoyé l'arche. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est exprès qu'ils ont pris des vaches qui allaitent. Parce qu'une vache qui allait, comme une maman qui allait son enfant, c'est difficile de séparer les deux. C'est difficile. Pourquoi la Bible a-t-elle précisé? Prenez des vaches qui allaitent. Il y a un lien entre les veaux et leur mère. Si vous vous approchez des chatons, vous n'allez jamais plus vous aviser à le faire pendant que la chatte est là. Ou bien des chiots lorsque la chienne est là. Et ils ont dit, quand vous aurez déposé ça, alors vous allez observer. Si les vaches prennent la direction de la frontière d'Israël et des Philistins, alors vous saurez que c'est l'Éternel qui nous frappait. Mais si ces vaches refusaient de partir, ou bien prenaient une autre direction, alors vous saurez que c'est un peu pur hasard. Parce qu'on savait très bien que quoi? Les vaches penseraient à leur veau. Mais une fois que l'arche a été déposée sur le char, et ils observaient, sans le concours de nom, sans qu'aucun homme ne dise partez de ce côté, malgré la pression de retrouver bien-aimé, leur veau, ces vaches ont reconnu qu'elles portaient leur créateur. Et elles ne peuvent qu'obéir à ce créateur. L'Éternel leur a dit, prenez la direction de Beth-Shemesh, la frontière d'Israël. Et les princes étaient derrière, en train d'observer. Les vaches ont conduit l'arche directement. Dieu n'a besoin de personne. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est pourquoi toutes les fois, tu as l'occasion de faire quelque chose pour Dieu, empresse-toi de le faire. Ne te fais pas supplier. Ne te fais pas prier comme si tu es plus important. Non, non, non. Non, 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 non. C'est nous qui devons tout à Dieu. Les vaches ont conduit l'arche jusqu'à la frontière. Israël était privé de cette arche pendant 7 mois. La gloire était bannie d'Israël, comme dirait la femme de Phiné. C'était leur fierté. C'était la représentation de leur victoire. Et voici, pendant que les gens, les habitants de Beth-Shemesh étaient en train de travailler dans leur champ, voici, ils ont vu le char et l'arche de retour. Et alors, une grande joie. Ils ont commencé par crier. L'arche est revenue sur le territoire d'Israël. Et pendant ce temps-là, les Philistins regardaient, ils observaient tout et ils savaient que réellement, c'est l'Éternel qui les frappait. Quand l'arche est revenue, normalement, c'est dit, il doit avoir la restauration. Ou bien, c'est à ça qu'on devrait penser. L'arche est revenue. Allons dans la Bible, disons un peu. Samuel 6. Samuel 6, nous allons lire à partir du verset 12. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant. Elles ne se détournaient ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allaient derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Ils étaient contents parce que l'arche est revenue. Personne n'est allé chercher l'arche. Aucune armée n'a été envoyée là-bas pour défendre l'arche. On ne défend pas Dieu. Non, c'est Dieu qui défend. Aujourd'hui, des gens défendent leur Dieu. Quand il y a incendie, ce sont eux qui se précipitent pour aller retirer leurs statues. Les statues devant lesquelles ils se prosternent. Quand la maison prend feu, ce sont eux-mêmes qui vont prendre les statues de peur que ces statues ne soient brûlées. On ne défend pas Dieu. Dieu peut se défendre lui-même. Et c'est Dieu qui nous défend. Le chat arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du chat et l'on offrit des vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche
de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Ils étaient contents. L'arche est revenue. La représentation de Dieu est revenue. Ils ont fait les sacrifices. Les saints princes des Philistins, après avoir vu cela, retournaient à Écron le même jour. Gloire à Jésus. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnaient à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour chaque ville. Asdod, Gaza, Ascalon, Gath et Écron. Il y avait aussi des souris d'or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux saints chefs, tant des villes fortifiées que des villes sans murailles. Verset 19. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardaient l'arche de l'Éternel. Il frappa 70 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. L'arche est revenue. C'était la joie. Et tout de suite après cette joie-là, c'est encore le deuil. Quelle confusion. Parce que pourquoi? Ils ont osé ouvrir le coffre. Ils ont touché à l'arche. Et Dieu les a frappés. Nous avons perdu cette arche depuis 7 mois. Et c'est revenu. Notre assurance est là. Et voici maintenant quoi? Dieu frappe encore. C'est encore la confusion. Et la confusion totale. Parce qu'ils ont osé violer. Dieu a des principes. Ils ont regardé dans le coffre. Au verset 20, les gens de Beth-Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? L'ennemi a rejeté l'arche. L'arche est revenue maintenant parmi les siens et les siens encore rejettent l'arche. Gloire à Jésus. Le monde rejette Dieu et Dieu alors doit se sentir à l'aise quand même au milieu de son peuple. Alors c'est le peuple maintenant par ses actes qui rejette encore Dieu. Alors où est-ce que vous voulez que Dieu aille alors? Ils envoyaient des messagers aux habitants de Kijashirim pour leur dire, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites-la monter vers vous. Nous n'en voulons plus. Parce qu'elle est venue ici, elle nous a apporté la mort. Gloire à Jésus. Parce qu'ils ont violé un principe. Ils ont touché à l'arche. Ils ont ouvert le coffre. Alors, chapitre 7. Les gens de Kijashirim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline. Et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Laissez-moi vous dire, même si tout le monde rejette Dieu, il y a quelqu'un qui veuille bien l'accueillir. Alléluia. Et il faut que tu sois ce quelqu'un. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Au moins quelqu'un dit, moi je le reçois. Pendant que tout le monde rejette Dieu, le monde a rejeté, l'église rejette. Mais il y a quelqu'un qui dit, non je ne le rejetterai pas. Dieu est digne d'être accueilli. Et puis il l'a accueilli chez lui. Mais tout comme fait l'arche est déjà sur le territoire d'Israël. Au verset 2, la Bible dit, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jirim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Comprenez, malgré que l'arche ait frappé les Philistins, jusqu'à ce qu'ils renvoient l'arche, l'arche n'est plus avec eux. Eux-mêmes, ils ont reconnu que l'Éternel est le Tout-Puissant. Et ils l'ont renvoyé sur la terre d'Israël. Malgré que l'arche soit sur la terre d'Israël, les Philistins continuaient toujours de dominer sur Israël et de l'oppresser. Comment est-ce possible? Nous avons pris cette arche et nous croyons que notre Dieu Dagon est devenu plus puissant que le Dieu l'Éternel. Mais cette arche, sans le concours d'aucun homme, s'est défendue là et a semé la terreur et est retournée maintenant sur la terre d'Israël. Normalement, quand l'arche est revenue, alors le pouvoir doit pouvoir changer de main. Mais malgré que l'âge soit retourné, mais Israël continuait toujours de subir la pression, l'oppression des Philistins. Comment peut-on comprendre cela? Et ceci pendant 20 ans. Ça veut dire que cette hache-là ne nous sert plus à rien. Pourquoi Dieu est là et je dois vivre encore ça? Pourquoi Dieu est là et je dois subir ça? Pourquoi Dieu est là et je dois encore subir ça? Pleurer, être subjugué, écrasé par l'ennemi. Mais pourquoi? 20 années, le peuple est resté toujours sous la domination des Philistins. Ils avaient essayé par leur propre force. Non, ils n'ont pas pu. Ils ont voulu maintenant forcer Dieu à agir en leur faveur. Il n'y a pas eu de résultat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, les gémissements sont devenus trop forts. L'oppression est devenue très forte. Et alors, ils sont partis voir maintenant Samuel. Donc, pendant tout ce temps-là, le prophète de Dieu était là. Samuel était là. Samuel, le bien-aimé de Dieu, était là. Pendant que le peuple souffrait, le peuple endurci, Samuel n'était pas un vulgaire prophète. C'était un véritable prophète de Dieu. Il était là. Et pourtant, le peuple souffrait. Alors, ils sont venus voir Samuel pour dire, Samuel, tu étais là? Tu es là vraiment? Et toutes ces choses se passent. Fais quelque chose. Écoutez ce que Samuel a dit. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Samuel n'a pas commencé par prophétiser. Pour que maintenant que vous êtes venu me voir, ainsi parle l'Éternel, vous aurez des jours heureux. L'argent va venir, la paix va venir en même temps. Comme nous voyons aujourd'hui,
Parce que c'est ce que nous aimons. Et c'est ce après quoi nous courons. Nous sommes assis bien dans les bêtises. Et nous voulons quand même l'intervention de Dieu. Ce que Dieu dit de laisser. Ce que Dieu dit d'abandonner. Non, nous chérissons ça. Et nous disons à Dieu, ferme les yeux là-dessus. Et si nous arrivons à trouver un prophète aventurier, nous voulons qu'il nous prophétise du bien. Malgré le mal que nous faisons. Samuel ne s'est pas mis à dire, non, quand vous êtes revenu, je suis le grand prophète de l'Éternel. Oh, les temps vont changer. Ça va marcher. Bien-aimé, si vous êtes assis dans le péché, dans l'iniquité de Paul Croix, et que vous allez voir un prophète pour qu'il vous prophétise le bien, et que lui, le prophète, ne vous indesse pas pour dire abandonner. Bien-aimé, toi et ton prophète, vous irez au même endroit. Il était là, mais il n'a rien pu faire. Il n'a pu rien faire. Il était là parce que le prophète est soumis à Dieu. Un prophète est soumis à Dieu. Il vous dit ce que le Tel Dieu lui dit de dire. Il ne va pas inventer. Il ne va pas inventer. Le vrai prophète ne va pas inventer. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous aimons. C'est ce que le corps de Christ aime. La majorité des chrétiens, c'est ce que nous aimons. Qu'on ferme les yeux sur ce que nous faisons de mauvais et qu'on nous dise ce qui est bien. Celui qui vole veut qu'on lui dise non, tu vas réussir. Celui qui cherche la femme d'autrui veut qu'on prophétise que non, tu vas voyager. Celui qui bat sa femme à la maison, non, veut qu'on lui dise non, tu deviendras un millionnaire. Et oui, on a la démangeaison de ces choses-là. Samuel n'a pas fait ça. Il a dit, oui, j'étais bien là 20 années et vous subissez tout ça. Mais si réellement vous êtes revenu de tout votre cœur, si de tout votre cœur vous revenez à Dieu, voilà ce que vous devez faire. Débarrassez-vous d'abord de vos idoles. Abandonnez la voie du mal. Revenez réellement à l'Éternel. C'est ce que Samuel, le grand prophète, a commencé par leur dire. Il a mis le doigt sur ce qu'ils font de mal. Il dit abandonne, reviens à Dieu, laisse ceci. Il leur a dit la vérité. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Et c'est ce qui trompe aussi beaucoup de gens. Et ils croient que Dieu est obligé de leur faire toujours du bien. Alors que la grâce, elle est trompeuse. Mais malgré que je fais ça, Dieu me bénit. Malgré que Dieu fait bénir. Et on persévère dans le mal. Et on te prophétise le bien. On te prophétise tout ce qui est bien. Et puis toi-même, tu es là. Et tu couvres le mal. Tu couvres et tu es là. Mais tu seras surpris. Et on méprise la grâce. Samuel ne s'est pas mis à prophétiser. Il a dit, si t'es de tout votre cœur, allez, débarrassez-vous des dieux étrangers. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans nos cœurs? Quelle vie nous menons? Nous ne pouvons pas mentir à notre conscience. Notre conscience nous reproche ce que nous faisons. Si nous volons, notre conscience nous reproche. Si nous mentons, si nous sommes dans l'impudicité, dans l'adultère, nous trompons nos maris, nos femmes. Non, le Saint-Esprit en nous nous parle. Il nous interpelle. Mais nous fermons nos oreilles et nous voulons que Dieu agisse en notre faveur. Comment cela se fera? Bien-aimé, Dieu est incorruptible. On ne corrompt pas Dieu. Il est saint. Il dit, je suis saint. Vous aussi soyez saints. C'est ce qu'il a dit. Samuel n'a pas dit autre chose. Il dit, revenez, servez-le lui seul. Parce qu'il voyait un peuple hypocrite. Un peuple qui a l'apparence de servir Dieu, mais dans le secret, a beaucoup d'autres choses qu'il couvre. Même s'il vous semble que des gens réussissent en violant, de façon flagrante, Seigneur, de façon flagrante, ils violent ces principes. C'est parce que vous ignorez leur fin. Parce que des fois, Dieu garde le silence dans son indignation. Il ne garde pas le silence parce que ça dit ce qui se passe lui plaît. Non, il le garde dans son indignation. Mais lorsqu'il se décide à frapper, bien aimé, c'est insoutenable. Servez-lui lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. C'est ce qu'il leur a dit. Un point. N'a pas commencé par prier, par trembler, par crier. Parce que c'est ça qui donne les frissons. Quand il a crié, j'ai senti des frissons. Moi-même, j'ai senti que Dieu était là. Même si rien ne tombe, Dieu peut être là. Dieu est là. Quelque chose n'a pas besoin de tomber avant qu'on ne sache que Dieu est là. Dieu est là. S'il dit qu'il est là, il est. Que Dieu le sente ou pas, il faut croire seulement quand il dit je suis là, donc il est là. Et les enfants d'Israël ôtaient du milieu d'eux les Baal et les Astarté. Et ils servirent l'Éternel seul. Un retour sincère. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa et je prierai l'Éternel pour vous. Maintenant, il se sent maintenant dans son droit de prophète de prier pour eux. Maintenant, je peux prier maintenant pour vous. Parce que maintenant, vous êtes en lien avec le Seigneur. Vous êtes mis maintenant de son côté. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'accordent. Maintenant, vous êtes accordés. Vous vous accordez maintenant avec le Seigneur. Moi, le prophète de l'Éternel, je peux maintenant prier pour vous. Et ils s'assemblaient à Mispa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Bien aimé, c'est comme ça. Lorsque vous prenez la décision
en tant qu'enfant de Dieu, d'abandonner la voie du péché, d'abandonner la voie du mal. C'est alors, c'est en ce moment que vous recevrez encore des persécutions encore plus dures. Mais tenez bon. Parce que si vous allez sur un chemin et que vous ne rencontrez pas le diable, c'est que vous évoluez dans le même sens. Mais si vous le rencontrez, sachez que alors vous allez dans des sens opposés. Parce que le peuple a décidé de revenir à l'Éternel, de se repositionner en l'Éternel. Un retour sincère. C'est alors que maintenant que l'ennemi se lève. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Depuis que j'ai pris la décision, ce que j'ai voulu abandonner. Oui, c'est en ce moment que les problèmes ont commencé. Les persécutions, c'est normal. Le diable veut toujours vous mystifier. Bien-aimé, il veut toujours mystifier. Pour que tu dises, c'est parce que j'ai décidé de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu. Bien-aimé, tous ceux-là qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Mais ils auront toujours la victoire. Parce que l'Éternel n'abandonnera jamais ceux-là qui se confient. Si tu as choisi, bien-aimé, de marcher avec Dieu dans la droiture, tiens bon. Tiens bon. C'est en ce moment que les moqueries vont commencer encore. Vont se multiplier. Les outrages ici. Mais laisse-moi te dire que c'est pour un temps. L'Éternel relèvera ta tête. Les Philistins ont cru. Ils ont appris que quoi? Les enfants d'Israël se sont réunis. Encore, ils ont dit, ah bon, ceux-là que nous tenons 20 ans. 20 ans, leur Dieu est venu sur notre territoire. Il a semé la terreur. Nous l'avons renvoyé. Et malgré qu'ils soient retournés, nous continuons toujours de les oppresser, de les dominer. Ah, ils ont oublié quoi? Ils se sont réunis pour faire quoi? Allons, nous allons leur montrer que c'est nous qui dominons. Quand les enfants d'Israël ont appris ça, ils ont commencé alors par trembler. Et ils ont crié à Samuel. Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait, verset 9, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel les oussa. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortis de Mispa poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Betka. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen et il appela du nom des Bénézères en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. 20 ans, 20 ans, parce qu'ils persévéraient dans la désobéissance, dans leur idolâtrie, dans la mauvaise vie. Malgré que Dieu soit là, ce peuple subissait, gémissait. Mais lorsqu'ils sont revenus à l'Éternel de tout leur cœur, alors le ciel s'est ouvert pour la prière du prophète. Et voyez ce qui s'est passé. Un jour seulement, une heure seulement, un seul instant, Dieu a fait quoi? Retentir son tonnerre. Et l'ennemi qui les a oppressés pendant combien? 20 ans. Dieu a fini avec ce peuple. À cause de quoi? Du retour sincère, de l'obéissance de ce peuple. C'est pourquoi Dieu dit, oh mon peuple, si tu m'écoutais, si tu écoutais ma voix, en seul instant, en un instant seul, en un instant. Il n'a pas dit en des jours, il n'a pas dit en des mois, en des années. Il dit en un instant, je mettrai en fuite des ailes. Ils n'ont même pas levé une épée. Ils n'ont même pas pris un fusil. Aucune armée ne s'est même dépêchée pour aller faire quoi? C'est l'Éternel qui a combattu pour eux. Pour quel prix? Pour le prix de leur obéissance. Et la pierre a été posée. Et Ebenezer. Là où ils avaient été battus, ils ont essuyé alors un grand succès. C'est pourquoi je dis, si peut-être tu es dans la défaite maintenant, ce n'est pas encore la fin. Non, le dernier mot appartient à l'Éternel. Je dis, le dernier mot lui appartient. Peut-être que tu es déjà revenu à l'Éternel et tu sens encore plus des oppressions. Non, n'abandonne pas. Persévère, persévère. Tu as pris la bonne décision. Ne retourne pas en arrière. N'abandonne pas ton intégrité, ta fidélité, ton obéissance. Vas-y seulement. Parce que l'Éternel est avec toi. Non, que les circonstances ne t'amènent pas à penser le contraire. Bien-aimé, si tu veux marcher pieusement avec le Seigneur, tu dois être persécuté. Les persécuteurs, les persécutions sont bon signe. Mais laisse-moi te dire, le pouvoir ne restera pas toujours dans la main de l'ennemi. Le pouvoir changera forcément la main. Et c'est l'Éternel lui-même qui opère cela. Ça, c'est clair. Ce dont nous devons nous occuper, c'est de revenir au Seigneur. Revenons au Seigneur. Abandonnons notre mauvaise voie. Revenons au Seigneur. Dieu n'a pas changé. Il est puissant hier. Il est puissant aujourd'hui. Et il restera puissant demain. Dieu n'a pas changé. Il domine les temps. Il domine les circonstances. Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux, il est le même aujourd'hui. Dieu qui a ouvert les yeux à Bartimée, il est le même aujourd'hui.
Dieu qui a fait redresser cette femme courbée pendant 18 ans. Il est le même aujourd'hui. Il est capable de changer. Il est le Dieu qui change l'impossible en possible. Il prend l'incapable et il en fait un capable. Il prend le pauvre, il en fait un riche. Il prend bien aimé le faible, il en fait un fort. Il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Les hommes ne peuvent pas influencer la force de Dieu. Dieu est fort, il est redoutable, il est tout puissant, il est élevé. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, est-ce la maladie? Bien aimé, même si tu es malade, Dieu est toujours le Dieu qui guérit. Même si tu n'as pas d'argent, il est toujours Jéhovah Jiré. Mais bien aimé, si tu n'as pas la paix, il est toujours Jéhovah Shalom. Même si tu ne sens pas sa présence, il est toujours Jéhovah Shammah. Dieu porte bien son nom. Il ne change pas et il ne changera jamais. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va exécuter. Toutes les promesses que Dieu a faites pour nous, Dieu a les moyens de les accomplir. Dieu ne changera jamais à ton sujet. L'ennemi qui te menace, qui écarquille les yeux sur toi, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, il n'a pas le dernier mot. Je t'assure, personne n'a le dernier mot sur ta vie. Seul l'Éternel, le mot jamais n'appartient pas aux hommes. Jamais appartient à l'Éternel Dieu. Ce que Dieu a dit que je suis, c'est ce que je suis. Ce qu'il a dit que je serai, c'est ce que je serai. Ce qu'il a dit que je vais faire, quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions, je ferai et je parviendrai. Au nom de Jésus. Donc prends courage. Il est le Ebenezer, le Dieu qui nous secoue. Le secours lui appartient toujours et lui appartiendra toujours. Et en ce moment, en cette saison, le Seigneur te visitera. Et la bouche de ceux-là qui se moquent sera fermée à jamais. Seulement reviens à Dieu de tout ton cœur. Que ton retour soit sincère. Abandonne les mauvaises. Il peut te sembler qu'ils sont nombreux à te compter contre toi. Même quand tu vois ceux-là qui sont assis sur ce dossier, tu dis, ah, je n'ai aucune chance. Mais laisse-moi te dire, leur cœur se trouve dans la main du Seigneur. Leur cœur se trouve dans la main du Seigneur. Ils ne peuvent faire ce que le Seigneur leur dit de faire. Ne cherche pas à savoir comment. Ne cherche pas à savoir quand. Ne cherche pas à savoir où. Ce que tu dois savoir est que le Seigneur a les moyens de le faire. Je ne peux pas t'expliquer quels moyens. Mais ce dont je suis convaincu est que Dieu a les moyens qui dépassent notre entendement. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup gémi. Tu regardes devant, derrière, à gauche, à droite. Mais il n'y a personne. Qui d'autre ai-je sur la terre à part toi? Qui d'autre ai-je dans les cieux? C'est toi. Tu n'as que des yeux pour pleurer. Et chaque jour, les moqueries continuent. On se moque de ton Dieu. Tu travailles comme un éléphant. Mais c'est toi qui manges toujours le dernier comme une fourmi. Parce que tu n'arrives pas à toucher. On te traite de paresseux. Alors que tu es un grand bosseur. Dieu est béni. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Prends courage, parce que l'Éternel relèvera encore ta tête. Il te donnera la victoire là où tu as échoué. Cette porte que tu as tenté d'ouvrir des années durant sans pouvoir l'ouvrir s'ouvrira par la main de l'Éternel. Ceux qui t'ont rejeté te chercheront à nouveau. Ceux qui ont dit tu ne régneras pas sur nous, ils te rechercheront dit c'est toi qui dois régner sur nous. C'est toi, sans toi nous ne pouvons pas. Parce que c'est l'Éternel qui a le dernier mot sur notre vie. Esther n'était qu'une esclave, une esclave juive. Le Tout-Puissant en a fait une impératrice. Oh, elle était stérile, mais elle a porté 6 enfants. Ouais, 6 enfants. Joseph n'était qu'un esclave. Potiphar ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, Joseph passerait et que lui, Potiphar, il se prosternera. Mais l'Éternel a rendu possible. Dieu est capable. Bien-aimé, je suis obligé de croire en Dieu. J'ai raison de croire en lui parce qu'il ne trompe pas. Il ne déçoit pas. Il ne trahit jamais. Il est tellement fidèle. Je veux te dire, toi qui es tellement découragé, abattu et qui veux abandonner. Non, n'abandonne pas. Jésus ne trahit jamais. Jamais. Il ne te trahira jamais. Jésus est très fidèle. Même si les hommes t'ont rejeté, t'ont humilié, t'ont abandonné. C'est l'ami fidèle. Il n'abandonne jamais. Au grand jamais. Jésus n'abandonne pas. Tu as compris? N'abandonne pas. Laisse les plaintes, laisse les gémissements, laisse les lamentations.
et loue-le. Quand on ne sait plus quoi faire, il faut faire ce qu'on sait faire. Et ce que nous savons faire, c'est de le louer et c'est de l'adorer. Je crois qu'il a oublié ce qu'il a promis. Sa mémoire dure de génération en génération. Il n'oublie pas. Il peut souvent se souvenir de quelque chose qu'il a dit il y a 10 000 ans, comme si c'était hier. Mais si toi tu l'oublies, il n'a pas oublié. Tout ce qu'il te demande, reviens à moi. Ne laisse pas l'ennemi te tromper, te dire que tu as fait ceci, tu as mal fait. Non, c'est un Dieu miséricordieux. Si tu reviens à lui, il est capable de passer un coup de chiffon sur toutes tes bêtises d'hier. Jusqu'à hier, il va passer. Ses bras sont toujours ouverts pour t'accueillir. Il veut te prendre dans ses bras, te serrer contre lui, parce que c'est un Dieu plein d'amour pour toi. Il dit que les montagnes peuvent s'enceler, les collines peuvent vraiment se déplacer, mais mon amour ne s'éloignera jamais de toi, parce que je t'aime d'un amour éternel. Seulement reviens, je suis le Tout-Puissant. Je n'ai pas changé. Le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Baisse ta tête et parle à Dieu avec amour. Dis-lui tout simplement, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Parce que toi, tu as déjà promis de ne jamais m'abandonner. Je sais que quelle que soit la durée de la nuit, le jour paraîtra. Ceux qui m'ont humilié, ils verront la gloire à nouveau dans ma vie. Ceux qui se sont détournés de moi, ils me rechercheront. Et c'est de toi que ça vient. Et c'est toi qui le feras. Parle au Seigneur. Dis-lui ton cœur. Il t'aime. Il continue de t'aimer. Dans cette situation, il continue. Viens à lui seulement. Confie-lui ton cœur. Celui qui a créé les yeux voit. Celui qui a créé les oreilles entend. Il entend leurs outrages. Il entend leurs moqueries. Il voit tout. Il voit tout. Ne l'abandonne pas. Confie-toi en lui. Reviens seulement de ta mauvaise voie. Ne laisse pas le diable t'emmener hors de la route. Emprunte la route. Sa route est la meilleure. Il t'aime. Il t'aime.